Maintenant, tu vas prier pour t'attaquer aux sorciers de ta famille, aux sorciers de ton village. Amen. Amen. Ce sont ceux-là qui sont à la base de toutes tes souffrances. Alléluia. Tu vas prier ce matin, où qu'ils soient rassemblés, où qu'ils soient ce matin, tu vas invoquer le feu de Dieu sur eux. Élève la voix et commence à prier. Invoque le feu sur eux. Déprogrammer tout ce qu'ils ont programmé contre toi. Tu vas déprogrammer la mort. Tu vas déprogrammer les accidents de circulation. Tu vas déprogrammer le célibat, la maladie, l'humiliation, la pauvreté, les échecs dans ta vie. Amen. Élève la voix et commence à prier. Prie, ne murmure pas. Prie avec vie. Élève la voix et prie. Oui, continue de prier. Prie avec vie. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit à la mort ceux qui sont pour la mort, à l'épée ceux qui sont pour l'épée, et à la famine ceux qui sont pour la famine. Amen. Ce matin, tu vas retourner la mort, les blocages, la stérilité, le célibat, oui, les échecs dans leur camp. Amen. Élève la voix et commence à prier. Retourne la mort, la maladie, l'envoûtement, la stérilité, le célibat. Oui, prie. Élève la voix et commence à prier.
possession de tout ce qu'ils t'ont volé. Amen. Tu vas entrer en possession de ton mariage, ta bénédiction, ta prospérité, ta richesse et tout ce qu'ils ont pris dans ta vie, tu vas le reprendre ce matin. Amen. Élève la voix et commence à prier. Reprends tout ce qu'ils t'ont volé. Merci Jésus. Tu es passé partout, ça n'a pas marché. Alléluia. Tu es passé partout chez les guérisseurs, chez les féticheurs, ça n'a pas marché. Mais où tu es arrivé ici, que tu retournes avec ta solution. Amen. Ta solution à ton problème. Alléluia. Élève la voix et commence à prier. Amen. Alléluia. Tu vas prier, tu vas lui recommander tout ce moment. Amen. Tu vas placer ce moment sous la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que lui seul soit le directeur de ce moment. Élève la voix et commence à prier. Merci Jésus. Oui, prie. Alléluia. Mais en même temps, tu vas remettre entre tes mains le canal par lequel il va passer ce matin pour t'édifier encore. Élève la voix et prie encore pour le prophète Joël Crasso. Élève la voix et prie. I'm going to go to the hospital.
Amen. Acclame Jésus. Maréchal de la brigade anti-sorcier, il est là parmi nous. J'ai l'honneur de vous présenter le prophète Joël Crasso avec un bonheur d'appui. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire les miracles, les miracles. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Il va faire encore. Il va faire encore. Il va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Il va te guérir. Dieu va te guérir. Il va te guérir. Dieu va te guérir. Oh. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Oh, Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Il va te toucher. Il va te toucher. Il va te toucher. Il va te toucher. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Il va te guérir. Dieu va me guérir. Il va te guérir. Dieu va me guérir. Oh, alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Alléluia. Veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse. Amen. Nous sommes ce matin à une rencontre de miracle. Dis à quelqu'un, toi, attends ton miracle. Et le soleil. Amen. Je pense que dans l'avenir, on aura beaucoup de choses. Pourquoi nous sommes dehors? Parce que ce serait un moment de délivrance. Amen. Amen. Un moment puissant de délivrance pour permettre aux gens de se libérer. D'autres vont peut-être vomir des choses dont vont mettre dehors. Nous sommes un temps de miracle. L'auteur de miracle, c'est Dieu. Et quand on parle de miracle, il faut attendre quelque chose de la part de Dieu. Dieu seul est l'auteur de miracle. Et nous sommes en sa présence. Alors dis à quelqu'un, attends-toi à ton miracle. Amen. Nous sommes en train d'aller tout droit, nous sommes en train d'aller tout droit vers 2015. Amen. Nous allons tout droit vers 2015. Nous devons laisser en arrière nos difficultés de 2014. Il faudrait que cette année 2015 soit une année meilleure pour nous. Une année de bénédiction, de restauration. Mais tout part de la prière. Il faudrait que Dieu fasse de nos ennemis notre marche-pied. C'est pour ça que nous sommes à cette rencontre, pour que Dieu fasse quelque chose pour nous. Il ne faudrait pas que le mal dont tu souffres, tu trimbales ça en 2015. Amen. Amen. Il faut toute une lutte avec Dieu pour que Dieu change ta destinée. Amen. Dis à quelqu'un, il faut que ta vie change. Il faut que quelque chose se produise dans ta vie. Dis à quelqu'un. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. On soulève la Bible. Pour ceux qui ont la Bible. Et sont ceux qui aiment le Seigneur, levez vos Bibles. Amen. Amen. Montrez les Bibles.
Je ne sais pas pour les problèmes de vie. Amen. Cette Bible-là, c'est notre boussole. Vous ne devez pas avoir peur. Les musulmans, je fais courant. Un enfant s'amuser au courant. C'est quoi le montrer? Tu vas déchirer le courant devant un musulman. Il peut te tuer pour ça. Et nous, nos enfants déchirent, dit à l'enfant, continue de déchirer. Pourquoi ne veut Isaïe dedans? Pourquoi ne veut Galate? Galate, même pas de péché. Pourquoi j'ai déchiré Galate? Amen. Amen. Les enfants, va l'amour de la parole de Dieu et aimer la parole de Dieu. Nous prenons la Bible, deux rois. Deux rois, le chapitre 4. Il faut que Dieu nous délivre de tout endettement spirituel. Il faut que Dieu nous délivre ce matin de toute forme d'endettement spirituel. Nous ne devons pas entrer en 2015 avec des endettements spirituels. Il faut que Dieu nous délivre. Nous prenons le passage dans 2 Rois, le chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 7. Une femme dont les femmes des fils des prophètes. Une femme dont les filles des fils des prophètes. Allons-y. Cria à Élisée. En disant. Ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Dis amen. On dit, mais tu sais que ton serviteur qui est mort craignait Dieu. Il marchait dans la sanctification. Il marchait selon la parole de Dieu. Il craignait Dieu, il s'éloignait du péché. Mais il est mort. Le créancier est venu. Pour prendre mes deux enfants. Et en faire ses esclaves. Élisée lui dit. Que puis-je faire pour toi? Amen. Que puis-je maintenant faire pour toi? On dit amen. Amen. Que puis-je faire pour toi? Amen. Alléluia. Je t'arrête là. Regardez. La dame qui s'approche Élisée. Vous savez la définition. La signification du nom Élisée veut dire le Dieu de mon salut. Elle s'approche d'Élisée, elle dit à Élisée, ton serviteur qui craignait l'Éternel est mort. On dit une fille donc, la fille des prophètes, c'est-à-dire que c'est une chrétienne engagée dans la foi. Elle est engagée dans la foi, les chrétiens comme toi, engagée dans la foi, elle ne manquait pas au culte. Elle lisait constamment la parole de Dieu. Elle avait même pour mari serviteur de l'Éternel, qui était même prophète. Qui était dans une école de prophètes. L'école d'Élisée, une école de prophètes. Il est mort. Avec des dettes. Amen. Amen. Mort avec des dettes. On dit ton serviteur craignait l'Éternel. Mais les créanciers sont venus. Parce qu'il est mort avec les dettes. Il n'a pas payé les dettes. Pas qu'il les paye. Alors, pour payer les dettes. On dit les créanciers sont venus prendre les enfants, payer les dettes. Les enfants vont payer. Ils sont là. Les créanciers sont là. Alors Élisée dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est la question ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, on peut être chrétien comme tu l'es aujourd'hui. Tu peux être chrétien, tu crains Dieu, tu marches selon la parole de Dieu. Tu vis la vie de Dieu. Tu te loin du péché au maximum. Tu as une vie de prière, tu combats. On sent que même tu as des dons spirituels comme ce monsieur qui était prophète. Mais tu as un problème. Amen. Qui n'a pas été réglé. Spirituellement parlant, j'ai une dette qui est sur toi. Tes parents sont morts. Ils sont morts avec des dettes spirituelles. Et les créanciers qui sont des démons te réclament. Les sorciers te réclament. Le monsieur est mort. Les créanciers sont venus. Prends les enfants. Et toi, tu entends de payer. Bien que tu sois chrétien, la même vie qu'a vécu tes parents, tu vis ça. Parce que la Bible déclare que Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils de la troisième et la quatrième génération. Bien que tu crains l'Éternel, mais j'ai une dette spirituelle sur toi. Bien que tu crains l'Éternel, j'ai une dette là, sur ta vie. J'ai une dette. Tes parents sont morts avec des dettes spirituelles. Tes parents sont morts avec des dettes. Ils sont en train de payer. Parce que le créancier réclame ta vie. Et il t'a pris. Ils sont en train de payer cette dette. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à émerger. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout est bloqué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives même pas à avancer, bien que tu sois chrétien. Malgré tes jeûnes et prières. Malgré ton engagement dans la foi. Malgré tes milliers de confessions.
Tu as beaucoup confessé peut-être, mais tu as des dettes que tu es en train de payer. Des dettes spirituelles. De toute façon, il y a les dettes ici physiques, il y a aussi des dettes spirituelles. Amen. Il y a des dettes spirituelles. Tes parents font des choses et les démons sont en train de réclamer ta vie. Ils t'ont peut-être pris, ils t'ont mis dans une prison spirituelle. Et quand on est dans une prison spirituelle, il est vraiment difficile d'avancer. On a l'impression que tout est fermé. On voit le noir autour de nous. Malgré que tu payes peut-être les dîmes, mais tu vois que tout est fermé. Amen. Amen. Tu es obligé de payer. Vous avez entendu les aveux du monsieur la dernière fois. Il dit, si tu as mangé, je ne peux pas donner pour toi. Va te balader. Je viens, je prends mon jugot, je jette le reste devant ta porte. On pose la question, monsieur, il dit, mais parce que tu as mangé la manière pour moi, il a une dette sur lui. Il a une dette. Et pas lui qui paye, mais ses enfants, considérés comme des moutons, sont en train de payer. C'est vous qui payez ça. J'ai une dette. Amen. Mais regardez ce qui nous réjouit. Élisée va dire, qu'est-ce que tu fais pour toi? C'est la question que Dieu te pose ce matin. Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Vous savez, c'est parce que la femme s'est approchée pour parler. Il y avait une réalité, elle vivait une réalité. Mais elle pouvait mourir, les gens pouvaient prendre les enfants. Mais elle s'est approchée d'Élisée. Ce que tu dois faire ce matin, c'est de t'approcher de Dieu. Amen. Et présenter cette dette. Pourquoi? Parce que nous savons que Jésus-Christ a payé la dette à la croix. Dis Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Quelque part, tu es en train de payer, mais la Bible dit que Jésus a donné sa vie. Il nous a racheté, nous dit Galates. Prenez Galates 3. Prenez Galates 3, à partir du verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Christ nous a racheté. Christ a payé cette dette. Dis Amen. Amen. Jésus a payé la dette. Amen. Amen. Tu vas préparer au créancier ce matin pour lui dire que Jésus a payé ta dette. Amen. 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 Jésus a payé la dette. Et donc, il doit libérer ton mariage. Il doit libérer ta fécondité. Il doit libérer ton argent. Il doit libérer ta vie ce matin. Amen. Parce que Jésus a payé la dette à la croix. La dette a été payée à la croix. Il disait, qu'il puisse faire pour toi. Amen. Amen. Alors, présente les dettes que tu as. Présente. Seigneur, voici ça. J'ai l'impression, je sens que j'ai un endettement spirituel que l'ennemi réclame à vie. Parce que lorsqu'il s'agit de prospérité, je reviens en arrière. Lorsque je m'engage dans une affaire, ça capote. Lorsque je fais quelque chose, même les relations, ça ne marche pas. Parce que quelque part, je suis en train de payer une dette. Alors, je sais que toi, tu as payé la dette à la croix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, Jésus a payé la dette. Jésus a payé la dette. Pour ne plus que tu souffres, le rachat est fait à la croix. Amen. Il suffit seulement de présenter le besoin à Jésus maintenant. Amen. C'est comme ça, cette femme. On poursuit la lecture. Elle va présenter le besoin à Jésus. Elle va présenter le besoin à Élisée. Amen. Regardez ce qu'Élisée va dire. Le roi. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Elle répondit. Elle répondit. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit. Il dit. Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Amen. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Amen. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et lui s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui restera. » Pendant que le frère est en train de faire la lecture, je voyais cette soeur Claire, je voyais un esprit qui avait trois têtes et qui avait qui était féminin parce qu'il y avait les seins, mais les têtes, et puis bizarrement je voyais les boucles d'oreilles,
c'est le terme de l'esprit, et qui t'a pris comme ça, et qui allait te jeter dans l'eau. Ouais. C'est-à-dire toute ta vie est enfoncée quelque part dans l'eau, et l'esprit des eaux a fermé ta vie. Amen. Amen. Est-ce que tu veux un miracle, Jésus? Merci, Jésus. Est-ce que tu veux un miracle? Est-ce que tu veux un miracle? Jésus veut te délivrer. Est-ce que vous voulez un miracle de la part de Jésus? Je sens que l'œuvre, le Saint-Esprit est à l'œuvre maintenant. L'esprit des eaux, vous savez, le démon ne doit pas avoir raison sur ta vie. Mais voilà. Non, regarde-moi ici. Et toute ta vie et toute ta carrière est bloquée par un esprit. Et nous allons le chasser au nom de Jésus. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a vaincu ce démon-là. A vaincu cet esprit pour que tu puisses vivre pleinement. Amen. Amen. Vous pouvez être là avec un vêtement spirituel fermé quelque part. Vous avez l'impression que vous vivez, mais vous vivez enfermé, fermé quelque part. Et vous avez un problème, c'est que c'est le non-aboutissement. Ça bouge et puis vous avez l'impression que vous tournez en rond. Vous avez l'impression que vous êtes fermé quelque part. À toi, je veux parler. Cette vie appartient à Jésus. Tu vas libérer toute sa vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Son nouveau maître est désormais Jésus. Et Jésus a payé cette dette à la croix. Cette vie ne t'appartient plus. C'est pour cela que ce matin, tu vas te manifester et partir. Tu vas te manifester et quitter totalement sa vie. Parce qu'elle appartient à Jésus. Jésus-Christ qui est le roi des rois. Jésus-Christ qui est le Seigneur des seigneurs. Je commande le feu sur toi. Et tu lâches sa vie. Tu m'attends? Tu vas lâcher sa vie. Lâche-la. Lâche-la. Colonne! Lâche-la! Tu vas lâcher sa vie. Tu vas lâcher sa vie. Au nom de Jésus. Tu vas lâcher sa vie. Lâche sa vie. Lâche ses finances. Lâche ses finances. Lâche sa carrière. Lâche toute sa vie. Tu m'attends? Lâche-la. Lâche-la. Dégage. Au nom de Jésus. Va-t'en. Feu. Feu. Comment? Allez. Lâche-la. Feu. Lâche-la. Lâche-la vie. Lâche-la. Lâche-la. Je te commande maintenant même de la libérer. Lâche-la. Lâche sa destinée. Lâche sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Le feu sur toi. Feu. Commande. Allez. Feu. Tu m'entends? Lâche-la. Lâche-la. Lâche sa vie. Lâche-la. Au nom de Jésus. Lâche-la au nom de Jésus. Lâche-la au nom de Jésus. Lâche-la au nom de Jésus. Je te commande au nom de Jésus. Lâche ta vie. Va-t'en. Va-t'en. Va-t'en au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la vite. Vite, vite, vite. Le feu consume tes œuvres. Lâche ta vie. Et commande le feu sur toi, le feu du ciel. Et lâche ta vie. Lâche-la au nom de Jésus. Je la libère maintenant même par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Va-t'en. Va-t'en. Tu vas partir et laisser totalement ta vie. Lâche-la.
place là. Au nom de Jésus. Attends-toi à ton miracle ce matin. Dis amen. Amen. Tu es devant Dieu toute cette nuit. Attends-toi à ton miracle ce matin. Lâche-la. Ah! Allez! Lâche-la! Au nom de Jésus. Lâche la vie. Lâche-la. Tu m'attends? Lâche-la. Lâche la vie. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Lâche-la. Au nom de Jésus. Feu! Le feu consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. Va-t'en. Quitte ta vie. Lâche-la. Allez. Allez. Feu. Feu. Oui. Le feu consume tes œuvres. Lâche-la. Lâche tes finances. Lâche tes finances. Et lâche toute ta vie au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Au nom de Jésus. Lâche-la. Oui, lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Lâche-la. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Feu! Colombe! Colombe! Allez! Allez! Lâche-la. Tu vas la lâcher et quitter sa vie. Va-t'en. Comment tu es entré dans sa vie? Comment tu es entré dans sa vie? Tu vas me parler ce matin. Oui. Parce que Jésus a décidé de la délivrer. Comment es-tu entré dans cette vie? Parle. Comment tu es entré dans sa vie? 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 Tu m'entends bien? Comment tu es entré dans sa vie? Lâche-la! Lâche-la! Feu! Feu! Comment tu es entré dans sa vie? Comment tu es entré dans sa vie? Et qu'est-ce que tu as gâché dans sa vie? Qu'est-ce que tu as gâché? Tu vas parler au nom de Jésus et libérer sa vie. Tu vas libérer sa vie. Lâche-la. Tu m'attends? Lâche-la. Quitte sa vie au nom de Jésus. Feu! Feu! Le feu consume tes œuvres. Tu m'attends, lâche-la au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Quitte sa vie au nom de Jésus. Quitte sa vie. Lâche-la. Comment tu entres dans sa vie? Sa vie. Tu vas parler. Comment tu es entré dans sa vie? Et pourquoi tu ne veux pas quitter? Pourquoi tu ne veux pas sortir, quitter sa vie? Comment tu es entré dans sa vie? Comment tu es entré dans sa vie? Son âme, son esprit et toute sa vie appartient désormais à Jésus. Comment tu es entré dans sa vie? Le feu sur toi. Tu m'attends? Feu! Allez! Lâche-la. Quitte sa vie. Va-t'en. 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 Le feu consume tes œuvres dans ses corps. Tu m'attends? Voilà. Lâche-la. Va-t'en. Tu vas plier bagage et quitter sa vie. Tu vas quitter sa vie au nom de Jésus.
va quitter sa vie au nom de Jésus. Il va plier bagage et quitter sa vie au nom de Jésus. Il va plier bagage et quitter sa vie au nom de Jésus. Il va quitter sa vie au nom de Jésus. Lâche-la. Tu m'entends? Lâche-la. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Va-t'en. Au nom de Jésus. Va-t'en.